Dis-moi, quand tu es revenu en 2015, ton premier réflexe, c'était quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé le chocolat. Ça t'avait manqué. Après avoir embrassé mon fils, d'abord, il y a un truc qu'il fait là. Il met sa main sur mon visage parce que tu sais qu'il est, il est handicapé, il ne me parle pas. Donc, il avait quoi? 4 ans. Donc, il a fait ce truc, il a mis la main sur le visage. Quand il a fait ça, c'est fini. J'étais tellement contente. Ça, c'était mon premier truc que je voulais. Deuxième, c'était le chocolat. Donc, j'ai mangé le chocolat, check it. Donc, ça a pris. D'accord. Donc, yeah. Awa, c'est ma copine. On a fait l'université ensemble. Yeah. En anglais, on dit college. College, yes. Yes. The college. Mm-hmm. Not college, but college. College, yes. College. Mm-hmm. Donc, on a fait un JT de formation ensemble et après, on s'est séparés. Correct. Elle voulait faire de la communication. On voulait toutes les deux faire de la télé. Yeah. On voulait être journaliste. Yes, journaliste. Right. Et toi, après, tu as disparu des radars. Yeah, c'est clair. J'ai pas une grossesse. Oui. Donc, tu sais, les parents, comment ça se passe, j'ai pris une grossesse. Et genre, je me suis éteinte, mais carrément, une année sabbatique, le temps d'accoucher, revenir. Parce que je venais à l'école hein, pendant la grossesse. Tout bêtement aussi, je parlais avec quelqu'un par rapport à l'accouchement. Et elle me parlait de son expérience. Il y a eu un problème aussi à l'accouchement. Mais j'ai rien pensé et ça m'est arrivé. T'as jamais pensé que tu aurais pu non, avoir j'ai eu une grossesse... Pas normal, stressé, mais stressé, parce que il y a les parents, il y a l'œil, il y a la communauté, il y a comment tu es mal vu, des gens qui n'essaient pas de comprendre comment, pourquoi, il y a tellement de choses en dessous de ça que on se dit que tu t'es un déshonneur carrément pour ta famille, mais toi tu essaies de garder le cap et tu t'imagines tout ce stress là. Moi je maigrissais, je prenais même pas de poids. Après vers 7 mois on m'a dit bed rest quoi, il faut rester de ménager, c'était impossible de ménager parce que je me sentais comme un fardeau. Donc, il fallait toujours être en mouvement pour aider, pour faire des trucs. Pour essayer de me sentir utile. Utile, parce que ça faisait honte. Après l'accouchement, c'est là que le pire est arrivé parce que mon fils a monté d'oxygène sur la table. Il fallait maintenant devenir mère responsable et puis oublier que j'avais que 20 ans. On va revenir sur l'accouchement. Yeah. On va dire que tu as accouché en pleine crise en 2011. Yeah. Il n'y avait pratiquement pas de médecin. Non. Ton médecin n'était pas disponible. Non, il était au Liban. Et celui qui devait le remplacer était dans les embouteillages. Et on tirait à Djamé, là où nous on était. Il y avait la sage-femme en chef dans la salle. Et puis il y avait le pédiatre. C'est eux qui m'ont aidé à pousser. Il ne fallait pas pousser. Il fallait faire une césarienne d'urgence. Mais il n'y avait pas de matériel. Non. Et moi j'ai commencé à avoir vraiment peur parce que je me suis dit... Ceux-là, ils peuvent pas me faire accoucher si c'est la césarienne. Donc, je disais immédiatement, pas de césarienne. Aidez-moi, je veux juste enlever l'enfant pour ne pas qu'il meure. Parce que c'est... En fait, je sais pas comment t'expliquer. Tu es maman, tu connais, tu sais le lien qu'il y a. Pense à ta première fille. Maintenant, imagine ton enfant est dans le besoin. C'est-à-dire un besoin que tu peux même pas satisfaire. Parce que tu peux faire quoi? Il veut juste sortir. Il veut juste sortir, il arrive pas. Il a le cordon enroulé autour du cou. Et... Tu as une sage-femme qui sans doute soignait son travail, mais en même temps, c'est pas approprié parce qu'il faut pas accoucher par voix basse. Mmh. Et tout ça se passe sur la table d'accouchement. L'enfant sort, il est violet à peine, violet bleu. C'est-à-dire qu'il est, il est frêle comme ça. Et presque sans vie. Sans vie, mais carrément. Et on l'envoie en réa. Et d'abord, même quand l'enfant sort, pas de cri. Rien. Pas de pleurs. Rien. C'est anormal. Et eux, ils essaient de faire calmement parce que le pédiatre sait déjà à quoi s'attendre. On me coupe le cordon, on le met sur moi, naturellement quoi. Et je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Première grossesse, premier bébé, mais je vois déjà que c'est anormal. Et on me l'arrache immédiatement et puis on va maintenant s'occuper de lui. Et pendant qu'on me coud, je ne sens absolument rien. Parce que tu te focus sur ton enfant. Et je demande à la sage-femme, tu es en train de faire quoi? Parce que je vois des mouvements, elle me dit, j'ai besoin de coudre. Mais il faut m'anesthésier. Elle dit, ah, comme tu n'as pas senti là. Pour te dire à quel point, en anglais on dit, I was numb. Parce que je ne ressentais absolument rien. C'est comme si j'étais glacée. Mmh. Et là, j'ai compris ce que c'est que d'être une mère. Mmh. Et ça va de mal en pire. Donc, l'enfant en face. L'enfant en face, on le réanime, mais il n'est pas réanimé en réalité. Il est dans le coma. Là, un coup, je m'endors et je vois ma sœur. Elle me rassure. Naturellement, c'est ce que les Africains font. Mmh. On te dit, non, tout va bien, pas de problème. Et j'ai vu l'enfant, il est vilain. Oh. Ça rigole. On me fait monter en chambre. Je lui dis, j'ai pas besoin qu'on me fasse monter avec, je vais marcher. Je ne réalise toujours pas ce qui vient de m'arriver. Donc, je suis en train de prendre les escaliers. Je me rappelle mon premier pipi. Je crie, j'ai dit, ah, maman!
Et donc après ça, je vois pas mon fils. Toute la journée, la nuit tombe. Où est mon enfant? On me le fait monter. Il est en train de convulser. Mais je ne sais pas ce que c'est que les convulsions. Donc je dis, mais pourquoi il tremble? Et puis la dame dit, il s'effraie. L'enfant, c'est comme ça, les enfants là sont. Il s'effraie comment? C'était bizarre. Et puis on essaie, on va aller le nourrir. Et je dis, donc moi je vais essayer moi-même. On dit, non, tu n'es pas encore prête. Je crois. Mm-hmm. Donc on lui met une petite tétine avec le biberon tout vert. L'enfant est né, il a 3 jours. Il est dans une couveuse. On me dit comme si, on me dit comme ça, on lui donne de l'oxygène, ça passe. Et puis après 3 jours, on nous libère parce que les bonbons ont commencé. On était en plein janvier là. Il est né le 17 janvier. Donc après le 20, c'était encore bizarre. Il y avait des tirs ici. Il y avait des petits trucs de, ici et là. Donc il y avait un petit mélangement là. Et puis on sort de là quand on rentre. En ce moment, j'étais chez ma soeur. Elle rentre à la pharmacie et le pharmacien dit, où est le bébé? Quand elle voit l'ordonnance, et puis une longue ordonnance. Oui, et le pharmacien dit tous ces médicaments doivent être administrés à l'hôpital, pas à la maison. Donc prenez l'enfant, envoyez-le aux urgences. Donc on le prend, on entend parler de pédiatre, docteur Aoudi, on va là-bas. Recommandé, on est là 2 jours encore et quand on a une conversation avec ma grande sœur, le docteur qui dit si vous venez, tenez vraiment à sa vie, envoyez-le au CHU de Cocody en néonatologie. Genre oubliez cette histoire de clinique, de quoi, allez au CHU. On arrive là-bas, c'était... J'avais oublié même mon fils. Ça faisait pitié. Il y avait des mères à même le sol avec leurs enfants. Il n'y avait pas de lit. Là, tu te rends compte qu'il y a pire que toi. Il y a pire que moi. Et là, tu entends des cris, des pleurs. Un enfant qui décède. Et là, derrière, ils sont en train de lui faire le truc lombaire, là, tout ça, dans la chambre. Je viens, je regarde. C'était... Et puis, on m'accuse un peu quelque part. On me demande, tu as fait tes vaccins? Jeune mère, elle a 20 ans, donc elle est ignorante. Mm-hmm. Je dis, mais j'ai fait mes vaccins, tu as fait tant? Oui, j'ai suivi. Dieu merci, mon gynécologue était au CHU de Cocody. Et il avait une clinique aussi. Donc, il pouvait attester. Après ça, on met mon enfant en couveuse, on met une sonde, c'est là qu'on va alimenter le bébé après 5 jours. Donc, il tenait qu'à un fil. Et je crois que ce fil-là, c'était Dieu. Et puis, mon espoir, parce que j'avais la foi qu'il allait s'en sortir. C'était comme si, en fait, c'était comme s'il n'y avait plus personne dans le monde. Que lui et moi. On allait se donner le souffle, quoi. Mm-hmm. C'est fou quand même. Mais donc, c'était un peu ça. Il était en couveuse. Et chaque nuit, il fallait te réveiller. Parce que moi, j'ai décidé maintenant de dormir au CHU. Mm-hmm. Et il faisait chaud. Parce qu'il y avait des prématurés. Mm-hmm. Tout le monde était dans la même chambre. Mm-hmm. Et on dormait à terre, on se réveillait à 4h parce qu'on nettoyait à 4h, donc il fallait se réveiller, se toucher. Levez-vous. Et puis, on partait vérifier nos enfants. On nettoyait leur sonde nous-mêmes, on leur donnait à manger, on leur donnait le lait, tirer, donner le lait. Moi, j'avais du mal parce que mon enfant n'avait jamais fait sucer, téter mon sein, donc c'était un peu difficile. Mais un peu, on essayait de faire, on me donnait des petites astuces. C'était triste, c'était vraiment triste. Et tu oublies, ça devient comme une grande famille, quoi. Mm-hmm. Toi, ton enfant s'est réveillé, ton enfant a pu sortir, donc c'est toujours la joie. Il a fait combien de temps? On a fait, je crois, 12 jours, non? Au CHU. On a fait 12 jours, je crois, au CHU. Et il n'a même pas pleuré au CHU encore. Quand on nous a libérés, j'ai demandé au professeur, je dis, mais vous me dites que ça va. Parce qu'il a commencé la succion. Il a commencé la succion un jour à 4 heures du matin. J'ai mis mon doigt, il a commencé à prendre. Donc c'était une joie immense. Et j'ai demandé au professeur un matin, vous allez nous laisser sortir, mais il pleure pas. Donc on est parti avec lui à la maison. En 2 jours, les pleurs ont commencé. Et là, j'ai regretté parce que... Il a fait un rattrapage. 3 mois. L'enfant était déprogrammé. C'est-à-dire comment les bébés dorment. Se réveillent, ils vont manger. Mon petit, il connaissait pas ça. C'est-à-dire que même la nourriture, tu peux pas lui donner le biberon et puis il va téter à l'aise. Pendant 3 mois, il faut mettre le lait. Genre, faut lui donner le lait dans la bouche, like, comme si tu es en train de faire boire quelque chose à quelqu'un. Pour que ça remplisse son ventre rapidement parce qu'il était habitué à la sonde. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on l'alimentait. Et on est rentré dans la crise. Donc, on est resté dedans, quoi. C'était difficile. On m'a dit, va faire cette nuit, mais. J'avais commencé à comprendre qu'il y avait des irrégularités ici et là. Donc après la crise, on partait voir les pédiatres, j'expliquais. Mais tout ce que je disais, donne-lui du fer, donne-lui le temps, ça va aller, ça va passer, c'est le calcium, c'est le comme ci, c'est le comme ça. Il y a quand même des petits signes. Mm-hmm. L'enfant se tient à 4 mois, 5 mois, il peut s'asseoir un peu. Lui, il se tenait pas. L'enfant fait ceci, mais il prenait le poids, il était bien beau. Mm-hmm. Donc il est beau bébé, ça fait pas un problème. Non, mais il y a des trucs... C'est quoi le retard? Non, c'est rien, c'est rien. Et à 9 mois,
On me dit, va voir tel neurologue. On me donne un coin à Cocody, là. Je vais dans une salle privée. Je vais le voir. Il me regarde l'enfant et il me dit, va faire tel examen, va faire tel examen, va faire tel examen. C'est là maintenant que je commence à aller à Beaunois. Il y a un centre là-bas. Mm-hmm. C'est un centre d'orthopédie. Et puis c'est là qu'on va faire EEG électrocéphalogramme. C'est les résultats que je ne voulais pas connaître. Tu t'en doutais plus ou moins? Yeah, c'était clair. Et on me dit que ça prend du temps, hein, tout ça. Ce n'est pas en un mois, deux mois. Mm-hmm. Ça prend du temps, même pour avoir des examens, pour avoir des... Tout prend du temps. C'est comme un marathon. Je ne sais pas comment expliquer. Pendant ce temps, tu stresses. Tu stresses. L'enfant est là. L'enfant maintenant commence à nager. Au lieu de faire quatre pas de bande, oh, il est en train de nager. C'est comme ça. Il y a des enfants qui aiment nager. Et puis quand ils vont se lever, ça va prendre. Non, mais il glisse au sol. En fait. Oui, et, mais il a un an. Il a un an plus. Il est toujours au sol. Les autres marchent. Qu'est-ce qui se passe? Il ne se tient même pas. Non, il ne se tient pas vraiment. Et puis il grandit. Il s'allonge. Il est toujours beau. Toujours souriant. C'est-à-dire que tu regardes son visage, tu n'as pas une idée qu'il a quelque chose. Et donc, à 2 ans pile poil, hein, je crois, on a pu avoir les résultats de l'électrocéphalogramme. On allait voir le neurologue pour l'interprétation. L'interprétation me dit qu'il y a tout le côté gauche carrément qui est du cerveau qui est détruit. Et il me dit, apprête-toi parce que ton enfant ne sera pas comme les autres. Et donc, quand c'est comme ça, en même temps, c'est déjà une nouvelle fracassante. Mm-hmm. Je suis partie, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Moi, c'est toujours ça, pleurer, vider un bon coup. Et puis, essayer de penser aux résolutions. Mm-hmm. Dans la résolution, mon père me dit, tu rentres aux États-Unis pour aller continuer tes études. Pour moi, c'est pas, ça, c'est pas une bonne nouvelle. J'ai laissé mon enfant. Et mon enfant, il me dit, non, va, il va te rejoindre, je te promets. OK. Je suis partie pour étudier. Et donc, je pensais à lui tout le temps. J'avais mon closet, mon plaque, ma penderie. Si tu me cherches, que j'avais une coloc, ma copine, quand elle me cherche, elle me trouvait, elle me trouve là-bas, en train de pleurer. J'avais ces petites couvertures, je pleurais avec ça. Et puis j'avais une intuition aussi, quand j'appelle à la maison, au milieu de la nuit, il est où? Ils sont à l'hôpital. Et on te dit pas? Non. Maman me dit, non, il n'y a rien, il ne faut pas t'inquiéter. J'ai dit, maman, tu es debout à 2h du matin, pourquoi? Et puis tu parles, donc qu'est-ce qu'il y a? C'est pas comme si tu dormais, je n'étais pas réveillée. On dit, ne pas te dire, mais on est à l'hôpital. L'enfant faisait des crises d'épilepsie non-stop. Donc, il y avait l'épilepsie aussi. Mm-hmm. Les convulsions, là, c'était l'épilepsie. Depuis bébé? Depuis bébé, on ne savait pas. Et puis, on avait mis sur un médicament. C'est le neurologue qui fait ça, hein? Un médicament. Moi, j'apprends plutôt aux États-Unis que c'est un médicament qu'on donne après l'AVC. Et puis, ce n'est pas censé être pris sur plus de 3 mois. Mon fils prenait ça depuis qu'il était petit. Jusqu'à ce qu'il ait 2 ans. Non, juste avec les 4 ans. 4 ans. Parce que je viens le chercher. Donc, les crises d'épilepsie augmentent. On ne peut pas faire une crise d'épilepsie qui dure 45 minutes. Ces crises duraient 45 minutes. C'était du jamais vu. Et moi, je suis venue à Abidjan parce qu'un jour, mon père m'a appelé. Il était vraiment frantic. Comment je peux dire ça en français? Il était alarmé. Ça prend beaucoup pour l'alarmer, quoi. Mm-hmm. Et il m'a dit au téléphone, bébé, je pense que c'est pas bon. J'ai dit, mais c'est quoi? Parce que lui-même, il avait eu maintenant accès. Genre, il était genre en première ligne de ce qui se passait. C'est lui qui l'envoie à l'hôpital ce jour-là, cette nuit-là. Et puis, il voit comment l'enfant se débat. Donc voilà, il y avait ça. Et puis, la non-connaissance de la pathologie. Parce que la pathologie, là, aux États-Unis, il y a des gens qui travaillent que pour ça. Mm-hmm. Ils sont pas juste là en train de se focaliser sur la neurologie. Mm-hmm. Ils se focalisent sur la condition, en réalité. Donc, c'est la pathologie, c'est comme ça qu'on appelle. Donc, ça s'appelle cérébroprosie. Cérébroprosie, c'est cérébral, et neurprosie. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est comme l'autisme aussi. Mm-hmm. Mon fils a 2. Il a l'autisme et puis il a cérébroprosie. Mais l'autisme, ça ne se détecte pas immédiatement, c'est avec le temps. Tu es maman d'un enfant qui a ses besoins-là. Et ça prend du temps aussi, tu apprends. Et pendant ce temps, tu es aux États-Unis. Là, tu n'es pas encore revenu, mais tu es aux États-Unis, tu apprends. Toutes les difficultés que ton enfant traverse. Et, je suis les cours, je suis étudiante. En droit? En ressources humaines, parce que pour faire le droit, maintenant, j'apprends qu'il faut faire 4 ans. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris à Abidjan, zéro. Il faut faire 4 ans, depuis le début encore, et puis aller maintenant postuler pour l'école de droit. Pendant ce temps, je me fais une fausse réalité de la vie aux États-Unis parce que je me dis qu'une fois que j'ai mon diplôme, je travaille. C'est pas la réalité, hein. Parce que t'as pas le droit de travailler. Tu es étudiant, tu as ton visa, tu as tes 5 ans, tu peux renouveler, mais tu ne travailles pas. Donc, tu as un visa étudiant et tu dois faire des petits métiers, ça et là. Des petits métiers, petit babysitting, petit comme ci, petit. Pendant que les parents même ne savent même pas parce que
il paye le loyer, il s'occupe des trucs, je vais à l'école comme une étudiante, mais hey, je cours après les classes pour aller faire des petits boulots. Et en même temps, tu te renseignes aussi sur comment traiter tout. Ton enfant. Je vais voir les professeurs même. Mm-hmm. Bon, il y a un de mes oncles qui travaille à l'université de Wisconsin, qui m'a donné accès à un professeur dont je suis allée poser toutes mes questions immédiatement. Et quand mon père me dit ça, tant mieux, moi j'avais déjà économisé. Mm-hmm. Et je lui dis, papa, je viens dans le prochain avion. C'est-à-dire que le jour, il m'a dit, quoi, début novembre, je dis, je rentre. Il me dit, non, finis ton semestre. Tu as déjà fini. Mm-hmm. Finis ton semestre, rentre. Donc, je rentre le 24 décembre 2014. Je rentre à Abidjan. Je viens trouver mon fils. Mais là, j'ai déjà fait les papiers hein, depuis les États-Unis. Je vais le mettre sur mes trucs en tant qu'étudiante. En tant qu'étudiant sur le visa F1, tu as le droit d'avoir un dépendant tant que tu peux assurer financièrement. Il faut aussi faire la demande de visa. Et c'est là que ça va chauffer. Sur les États-Unis, tout est propre, c'est clair. J'ai déjà eu les papiers là-bas. Mais il faut introduire la demande de visa par rapport au F2, genre F2, dépendant. Donc, je viens à l'ambassade. Le dépendant de la dépendante. Voilà. Donc, les dépendants dépendants. Donc, il n'est pas venu parler de mes petits boulots. Donc, je viens à l'ambassade. Oui, elle est étudiante en bonne et due forme. Comme c'est comme ça, tu habites tout. Maintenant, ils vont me tester un peu sur mon anglais. Ça passe. Et puis, voilà, on dit, il faut partir. On garde le passeport du petit. Oui. Donc, c'est bon signe, mais on ne me donne rien. De toute façon, on donne un petit récipicé ou bien quoi. Là. Je n'ai rien. Une semaine, deux semaines, mon enfant est tombé malade devant moi-même. Là, tu as vu la manifestation de la maladie. On va à la polyclinique là où il part. L'enfant est couché et le médecin me pose des questions. Je n'ai pas de réponse, je ne vis pas avec lui. Je te dis que ça fait presque 2 ans que je n'ai pas vu mon fils. Voilà ce que je sais de lui. Voici tous les médicaments qu'il prend, ça, j'ai toujours su. Mais je ne sais pas, c'est vous, c'est votre patient. Et là, je me rends compte que c'est... Faut que je parte. Faut que je parte. Quoi qu'il... C'est-à-dire qu'il faut qu'on quitte ici. On est resté là-bas 3 jours, je crois. Après, ça va, ça prend du temps pour se rétablir parce qu'il est fatigué. Il est fatigué, il est... C'est-à-dire comme c'est un drainage, quoi. Un petit garçon comme ça. J'appelle l'ambassade chaque jour. Et genre, j'appelle l'école et je dis à la dame qui se charge des étudiants internationaux que si mon fils ne rentre pas, je ne rentre pas, donc c'est terminé. Je mets une croix sur mon année. Comme si genre, il peut faire quelque chose, quoi. Et donc, je commence à dire... Tu voulais le mettre là. Elle aimait déjà, elle m'aimait beaucoup. Mm-hmm. Donc, elle écrit au consulat mm-hmm. pour mettre une pression. Et vous vous dites que j'ai un bon standing comme étudiant. Et puis, ça sera vraiment dommage, quoi, de perdre une étudiante comme ça et tout. Non, un jour, on m'appelle, on me dit, envoie les photos du bébé quand il était bébé dans ta main. Dieu merci, j'ai un cousin qui a mon ancien téléphone, qui a répertorié tous ces fichiers-là. Qui me tire tout ça et me donne. Je vais à l'ambassade, je donne. On me rappelle, on me dit, viens, je viens. Le gars met le passeport de l'enfant dans ma main, son visa, et puis il me dit, faut pas revenir ici sans papier, hein. Et je suis partie avec mon fils. Donc, je suis là. Moi, pour moi, je suis venue avec le petit, je repars à l'école, tout va bien. La réalité maintenant. Parce que le petit, l'assurance de l'hôpital, c'est-à-dire l'assurance de l'école qu'on paye par semestre, 1 600 $. On ajoute l'assurance de l'enfant, ça fait 1 200, donc 2 800 au total par semestre. Semestre, c'est 4 mois, décide d'envoyer une lettre pour nous dire qu'ils ne peuvent pas prendre le petit en charge à cause de sa condition. C'est une condition préexistante. Ça, c'est ma descente aux enfers. Mon année déjà d'école, ça va être sympathique parce qu'on est en février, l'école a déjà pris. Donc, c'est mieux qu'on a qu'à m'éjecter des classes sans dommage. Donc, il faut attendre le semestre prochain. Maintenant, pour attendre le semestre prochain, il faut aussi dire à l'immigration que tu es là en bonne et due forme. Mais il y a un problème. Donc, il faut aller voir un psychologue. Je vais voir le psychologue. Mon bébé est là. On le met en attente. On le met dans une salle pour jouer. Je vois le psychologue. On s'assoit. Il s'assoit là. Il me dit quel est le problème. Il dit, on m'a dit de venir prendre une lettre. Il me dit, on ne prend pas une lettre comme ça. Il faut au moins une séance. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, moi, affaire de psychologie. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on fait pas tout ça. Bonne africaine. Oui. C'est affaire de Dieu. On se gère. Et puis voilà, ça passe. Il me dit, non, explique-moi. Et je commence à expliquer. Je fonds en larmes. Parce que je me rends compte du poids que je suis moi. On m'a donné ma lettre, donc on m'a donné l'extension pour ne pas que j'aille à l'école et pour que je sois toujours dans les normes. Moi, je continue mes petits boulots. J'ai une amie, Sarah, qui garde mon fils. Elle va à l'école. Hein. Quand elle quitte l'école, elle garde moi. J'avais une voiture, donc c'était pénible. Mais j'arrivais à m'occuper de nous et puis voilà, un peu. Et jusqu'à ce qu'on rentre maintenant dans le système médical. Ça prend du temps. Combien d'années après? C'est pendant 6 mois. OK. Les premiers médecins. Il y a une équipe, neurologie, pédiatre, l'explication que je comprends du médecin. Mm-hmm. Donc, il faut que les crises soient minimes, quoi. Mm-hmm. Les crises, là, qui faisaient à Abidjan, là, que ce soit minime. Parce que toutes les fois qu'il y a ça... Ça endommage son cerveau. Et ça n'aide pas.
et ça devient de plus en plus difficile. Donc fallait, il prenait du poids, donc on lui donne un déambulateur, walker. Il n'a qu'à essayer de s'arrêter. Donc il n'arrive pas à s'arrêter un peu. Et quand sa chaise roulante est prête, ça coûte 30 000 $ par les standards de l'hôpital par rapport à l'assurance. Et puis on me dit, ah, malheureusement, l'assurance expire le 30 juin, la chaise roulante est prête le 2 août. Donc il faut que tu débourses l'argent. On ne peut pas te donner la chaise roulante. Et la dame qui me dit ça pleure parce qu'elle veut changer même la date pour mentir qu'elle m'a donné ça en juillet, mais elle a peur de perdre son travail. Mm-hmm. Je lui dis, c'est pas ta faute, c'est notre réalité qui est là, on va se débrouiller. Donc on arrive à avoir un petit don, une chaise roulante rouillée, de façon là, on utilise ça pour se débrouiller. Le système de l'école nous aide, mais 100% quoi. Donc ça, c'est le public. Donc on continue. Et là, mes misères vont. Parce que là, tu as un souffle nouveau. Yeah. Et là, tu es obligé d'arrêter les cours. Yeah. Donc tu as arrêté les cours depuis. Tu faisais des petits boulots, ça et là, qui ne suffisaient pas. Yeah. Donc en 2018, j'étais dans une relation abusive. Donc, j'étais mariée à quelqu'un qui était vraiment abusif. Et je décide de commencer la cuisine. Et quand je m'y mets. Mais tu décides de commencer la cuisine pour quoi ? Pour augmenter ton revenu ou bien juste... Pour faire quelque chose de clair. D'accord. Parce que comment je sais que c'est clair ? Il y a une... on dit que tu ne peux pas travailler en tant qu'étudiant. Tu ne peux pas travailler en tant qu'immigré qui n'a pas ses papiers non plus. D'accord. Si tes papiers sont en process, tu ne peux pas travailler. Ok. Donc, ça veut dire que moi, mes papiers sont rentrés en décembre 2017. Mm-hmm. Et j'ai fait l'AVC pendant que je faisais les papiers. C'est moi qui fais avec ce que j'ai appris dans le droit là. Je continue à m'instruire. L'AVC. J'ai fait un AVC, oui. En 20 août, le jour de mon anniversaire 2017. C'était la fatigue émotionnelle dont on m'a hospitalisée comme ça. Qui s'occupe de mon fils, mes copines viennent de partout. Mes amis qui ont été là pour moi depuis le départ s'emmènent de partout. Une vient d'Arizona, Diane. Une autre qui vit au Canada, Sarah, qui s'est occupée de papa, qui revenait de Paris. Elle était là pour mon anniversaire. Il y a Zara qui était de Minneapolis qui était là. Et puis mon frère qui est dans l'armée, qui se ramène immédiatement. J'ai la solidarité. J'ai ça. J'ai une tante Abby, une tante Loretta. C'est-à-dire que l'amour, là, tout le monde est là. Je suis emprisonnée maintenant dans mon corps. Et tu imagines, genre, je suis couchée là. C'est comme si j'avais pas souffert assez. J'étais fatiguée, mais j'avais une seule envie de m'en sortir pour continuer à m'occuper de mon fils. Et là, papa marche, hein. Il marche. Ça va mieux. En ce moment-là, et je suis là. L'ombre de moi-même. Je pense pas que j'allais m'en sortir, mais je me dis que si je m'en sors, ça sera... Tu sais, les séquelles, tu vois. Dans ma tête, je vais devenir handicapée ou je vais devoir avoir besoin de l'aide de l'autre. Je n'arrive pas à demander l'aide. Donc, dans ma tête, c'est fini. C'est la fin du monde pour moi. Il faut que je me rétablisse. On fait après ça, quand ça va mieux, on commence à faire des thérapies de réhabilitation et tout ça. J'ai toujours peur. J'entends des sifflements dans mon oreille ici et là. Souvent, quand je conduis, je pense que j'avais un autre AVC. Donc, j'ai compris qu'il fallait essayer de me décharger de beaucoup de stress. Donc, je me suis dit, tu sais quoi? Trouve un autre moyen de survivre qui n'est pas ça. Et c'est là que je me dis, j'ai une cuisine. Et je sais cuisiner. Yeah, je sais cuisiner. Et je vois en ligne que tu peux avoir un business et puis demander un numéro de taxe à l'ARS. C'est le truc de taxe, c'est le gouvernement, quoi. Tu leur demandes un numéro de taxe et puis tu commences un business. Simplement comme ça. Et beaucoup de gens ne savaient pas ça. Je commence, je fais tous les trucs et puis je commence tranquillement. Le 1er août 2018, je commence par cuisine. Mon premier client, c'est mon grand frère qui m'envoie de. Tu fais quel plat? Chep Jen. Donc j'ai fait chep avec poisson dans la maison d'une de mes tantes. Donc je fais, ils viennent manger. Et puis je fais mon plat à 10 $ bêtement. Parce que je sais même pas comment charger. Et je fais avec du saumon, hein. Imagine, mais c'est à 10 $. Donc, il y a une dame qui est venue manger mon frère qui me dit, « Ah, ma chérie !» Elle vient de Yopougo. Elle dit, « Hey, ma chérie !» Le saumon que tu as utilisé, puis le chef est bien fait, 10 $,
c'est peu. Il faut augmenter. Dit, ah, plein ça, il connaît pas, il est fait. Donc, ça vient pour les plats de 10 dollars. Le temps, il finit de compter là, 200 dollars. Il a dépensé plus que ça. Il a dit, eh, hey, ça va aller. Donc, j'attrape mon cœur. Je continue. Donc, mon premier investissement, c'était 200 dollars. Je continue. J'avais un festival africain qui était, quoi, le 19 août. C'était la veille de mon anniversaire. Je vais faire ça. Fatigué, on fait. On n'a même pas le retour. C'est-à-dire qu'on vend tout. Mais l'argent n'est pas rentré. Donc, je sais même pas ce que j'ai fait de mal. C'est-à-dire qu'on a tout vendu. L'investissement était bien. J'ai fait un investissement de quoi? 1500 à l'époque. Et je me suis dit que, waouh, j'ai fait beaucoup. Donc, peut-être qu'on va faire un peu plus. On a fait 870 dollars. Oui. Donc, ça va pas dire, tchao. Donc, on compte l'argent. J'ai dit, hé, c'est comment je comment sers? J'ai ah, tu sers je les portions. Je sers très mal. Je sers très mal. Je sers comme si j'en, on est en village. Faut manger. Je sers très mal. Donc, je savais pas. J'ai pleuré un peu, même si ça va aller. Tout le monde est venu m'aider encore. Mes copines sont venues. Tout le monde est venu m'aider. C'est-à-dire qu'il y avait toujours ce support-là derrière moi. Et après ça, je sais qu'il faut me séparer. Parce que tout ça, ça se passe pendant, je suis toujours mariée. Mm-hmm. Et je me sépare de ce gars-là. Et puis, aller m'installer dans un foyer avec mon fils. Mm-hmm. Donc, je vais dans un foyer de femme battue. Dûment, parce que c'est ça, mon mm-hmm. statut. Au début, c'est difficile d'accepter, mais j'ai compris que c'était mon statut. Si tu n'embrasses pas ta condition en ce moment, ce dans quoi tu es, tu vas te créer une fausse réalité mm-hmm. et tu vas jamais avancer. Mm-hmm. Donc, j'ai décidé que ma réalité, c'était ça dans le moment. Et c'était toujours possible de changer ma réalité. Je vais vivre dans un foyer de femmes et je prête la cuisine d'une autre dame, sa fille, qui me, une Ivoirienne, qui me laisse cuisiner chez elle pour vendre. Et mes clients n'ont aucune idée que je suis dans un foyer de femmes battues. Parce que je viens avec le sourire, bien habillée, proprement, je sens bon, je donne la nourriture. Je dure dans ça là. 3 mois, je m'en sors, je prends un appartement. Pendant qu'il y a des gens qui sont là-bas, 6 mois, 7 mois, 8 mois, je m'en sors. Tu savais que tu étais là pour un temps. Un temps, c'est me mettre sur les pieds. Mm-hmm. Parce qu'il faut payer la voiture, parce que là, moi, j'ai une autre voiture, il faut payer la voiture par mois, il faut payer les... Il y a toujours des trucs qu'il faut toujours... Donc, il faut que je travaille toujours. Et mon travail, c'est peu, c'est pas grand-chose. C'est 100 dollars par jour. Ça peut faire comme si c'est beaucoup d'argent ici, mais c'est zéro, quoi. Mm-hmm. Par rapport aux dépenses là-bas. Aux dépenses qu'il y a là-bas. Non, je me débrouille un peu, j'arrive, je prends mon petit appartement, j'arrête pas le travail. Je commence à investir maintenant dans l'équipement. J'achète et mon père m'avait aidé à acheter une remorque en 2018. J'achète la remorque, je pensais que c'était la fin de l'histoire, mais c'était pas la fin de l'histoire. Mmh. Fallait avoir des papiers, la licence, le permis, qui encore, c'est encore plus d'argent. Fallait encore recalibrer la remorque. Je suis pas venue vers lui encore lui dire, parce qu'il m'a donné une chance. Mmh. Papa, ah, j'ai besoin encore, parce qu'il m'a donné 8000 dollars à l'époque. Pour les Ivoiriens, c'est beaucoup d'argent encore. Là-bas, ça a acheté que la remorque. Me voilà encore avec une remorque qui ne va pas fonctionner. Donc, il faut garer la remorque. Même, et puis, il faut la voiture pour tirer la remorque. Ma voiture, c'est un 4K, mais c'est un petit SUV. Je fais quoi? Donc, j'investis dans le matériel encore. Il y a un de mes oncles qui me passe une carte de crédit. C'est un peu, quelqu'un ici, quelqu'un là-bas. Je prête l'argent ici, je mets dedans. Parce que les banques peuvent pas t'aider. Mm-hmm. Ton business n'a pas pris. It's not booming. Ils vont t'aider sur quoi? Et j'ai toujours pas les papiers, j'ai pas la green card. Mm. Je suis toujours dedans. Et là, je reçois mon permis de travail en décembre 2019. Première victoire. Je peux travailler n'importe où, je peux comme si je... Mais j'ai perdu le goût de travailler pour les gens. Je suis dans l'entrepreneuriat, je ne peux pas m'arrêter. Donc, je me dis, ouvre tes portes. Je suis prête, j'investis, je vais lancer le food cart, la remorque en 2020. Boom, COVID-19. Aye. Et je suis redescendue encore. Et là, je suis à terre. Et je me dis, non, ce n'est pas possible. Rien ne marche, tout est mort. Je vais travailler dans un supermarché la nuit. De minuit, de 22h à 6h du matin tous les jours. Je rentre, je suis cassée, je dois m'occuper de mon fils. Les enfants ne vont pas à l'école. Lui, par contre, il va à l'école 1 heure par jour. Parce qu'il est special needs, donc on ne peut pas arrêter ce qu'il fait. Il faut toujours continuer à travailler avec lui. Et moi aussi, je dois travailler avec lui, je dois faire le yoga avec lui. Donc, ça se passe pendant que je fais la cuisine. Je fais maintenant dans mon petit appartement parce que je n'ai même pas accès à la cuisine, là où je travaille, là. Et c'est ça, ça continue un peu. Je livre les plats partout dans la ville parce que les gens ont commencé à manger encore. Donc ça, c'est la fin. Et je me dis, attends, je vais lancer des petits pots de piment, mais dans des petits magasins. Je connais une tante qui a un magasin africain. Mm-hmm. Je connais un autre monsieur arabe qui m'aide. Mm-hmm. Je rentre ici, je rentre là-bas, un peu. Je décide de faire un grand packaging pour faire les croquettes et puis marinade. Mm-hmm. Je me lance. Là, tu sors ta marque d'assaisonnement. C'est ça. Et je rentre dedans. Et ça, on y va, on travaille les nuits. J'ai des amis qui m'aident. J'ai ma tante là qui m'aide. J'ai un partenaire qui m'aide. Tout le monde m'aide. On essaie de faire des gens. Laisse leur travail venir m'aider. 4-5 heures. Par jour à la cuisine, on sort tard de la cuisine, souvent minuit, souvent 2 heures du matin. On fait que 50 paquets de croquettes. C'est lent, c'est difficile,
Le travail de la main. De la main, parce que nos croquettes sont petites. Mm-hmm. On ne peut pas faire les croquettes de taille moyenne, là. Parce que mon packaging, je n'ai pas réfléchi comment il est fait, là. C'était trop étroit. Si je fais gros, gros, c'est ça 10 seulement qui va prendre. Donc, on est obligé de faire petit, petit, puis on est obligé de faire quelque chose de... Quand tu mets dans la bouche, ça pétille. Donc, on met les fruits dans la... Le temps de concocter même cette formule-là, ça m'a pris du temps. Je sors à la télé pour la deuxième fois. Il y a United Way of Dane County. United Way, c'est une organisation internationale, une ONG, qui m'avait boosté et aidé dans le temps parce que j'avais fait comment on dit, training. Genre, j'ai train avec eux. Tu t'es entraînée? Yeah, pour au moins 3 mois pour un truc aider, pour t'aider à percer dans le monde du non-profit. C'est-à-dire que moi, en tant que femme abusée, je peux aller travailler pour une ONG mm-hmm. et puis avoir une voix. D'accord. Donc, ils te trainent pour ça. Okay. Mais c'est eux qui m'ouvrent les portes pour avoir une cuisine dans Madison. Donc, ils me demandent, ah ouais, on peut te mettre à la télé parce que c'est leur temps de collecte de fonds mm-hmm. et puis ils veulent parler de leur victoire. Mm-hmm. Et victoire, c'est moi pour l'année. Non, je me sens toute privilégiée et tout parce que je leur dois ça. Mm-hmm. C'est pas l'argent qu'ils m'ont donné, hein. Mm-hmm. C'est la connexion là. Mm-hmm. Je leur dois ça et puis je fais ma sortie et je parle de mes produits. Ça c'est ma deuxième sortie à la télé. Et parce que j'ai dit à mon ex-mari, tu vas me voir à la télé un jour. Me voilà à la télé maintenant, à Madison, Wisconsin, en train de parler de à la télé nationale. Je parle de ça et puis. Je commence à avoir l'affluence mm-hmm. par rapport aux produits et tout. Il faut produire plus. Donc, j'achète des machines en Chine. Les machines viennent. On n'a nulle part où mettre les machines. Donc, il faut maintenant stocker les machines dans un entrepôt payé par mois. Voilà une autre réalité parce que le voltage qu'ils m'ont dit sur les machines, c'était faux. La cuisine là où je travaille, on ne me permet pas de mettre les machines. C'est de gros équipements. Une machine te fait 500 kilos. Quand même. Quand même. Donc, je me rends compte que ce n'est pas en utilisant l'espace de quelqu'un que je peux utiliser ça. Je suis dans des problèmes. Donc, pour chaque... Un pas, 10 pas en arrière. Donc, 2021, je me dis, ah ouais, arrête un peu. Arrête, ressource-toi, arrête. Ça dit que ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Je vais abandonner, je vais aller travailler pour quelqu'un. Donc, je vais travailler pour quelqu'un encore. Parce que je me dis, j'ai des papiers, je vais aller travailler. Au moins, il faut survivre. Mm-hmm. Donc, j'ai un travail en tant que manager quelque part. Un bon boulot bien payé pour quelqu'un qui veut se contenter de ça. Mm-hmm. Un mois, ça passe pas. Je quitte encore. Je me relance encore dans mon activité. C'est-à-dire que là, je ne dis toujours pas à mes clients que j'ai fini, c'est terminé, je ne veux plus. Mais moi-même, intérieurement, je me dis, j'en ai marre, je ne peux pas, je continue. Après, je continue encore. C'est comme... comment on peut expliquer cette relation-là? C'est comme ton enfant. Mm-hmm. Il t'énerve, tu le chasses un peu. Après, tu le reprends. Tu lui fais des câlins, Je me lance dans une autre activité, hein. Vêtements africains. On crée toute une ligne, on investit, moi et mon partenaire, j'ai un partenaire avec qui j'investis et tout. On investit dans le truc, on met l'argent ensemble, on fait des trucs à Abidjan. D'abord, on vend un truc de kit, on fait un deal en New York, ça passe vite, on a notre argent, on a remis dedans. À la base, on dit, on met pas d'argent, on a eu 5 000 $ de bénéfices, on met, mm-hmm. on s'est retrouvé à 15 000 $ d'investissement. Pour ça, on investit dedans. Pendant que les DCA étaient en train de souffrir, je suis en train d'essayer de... C'est comme si je suis divagué un peu pour essayer d'oublier ce qui est en train de m'arriver. Pourtant, c'est ma réalité. Mm-hmm. Des faux fuyants façon, là, pour ne pas sentir la pression. Et là, je suis avec les Chinois toutes les nuits en train d'essayer de faire des têtes d'oreiller, mais quelque chose de vraiment... Africain. Je ne veux pas ce qu'ils vendent là, qui est partout. Donc, on va créer nos fichiers. J'ai un petit Ivoirien. Je travaille que avec les Africains, surtout. Mm-hmm. Un petit Ivoirien au Texas que j'ai rencontré grâce à un de mes articles qui est sorti sur Afroprenariat. Et il m'avait approché par rapport à ça. Et puis, il est devenu mon gars qui fait les trucs de marketing pour moi. Donc, mon petit commence à faire mes trucs. Je le stresse matin, midi, soir. C'est lui qui fait tous les trucs de Awa. Et puis, on se soutient, on continue. On crée la marque de vêtements, tête d'oreiller, fiment. On n'a pas encore lancé. Tout est prêt, le website est prêt, les habits. Tout est assis dans ma maison, comme entrepôt. Tout est là. Et dans ça, encore, je me dis, remets-toi au travail pour les DSA Awa. J'ai mon premier mariage en septembre l'année dernière. Je suis comme une pro. Je finis ça. Je commence maintenant à voir les marchés. Mm-hmm. Et mon deuxième mariage cette année en avril, mon troisième mariage, mon plus gros mariage. Et je dis, oh, ok. Ça commence à venir. Parce que après 4 ans, on te dit dans l'entrepreneuriat, 4 ans, 5 ans, quand tu gardes le cap, ça va y arriver. Mm-hmm. Et il y a une ONG qui fait, on lance un truc avec, en partenariat avec une philanthropiste. Et ils cherchent un entrepreneur de couleur. Mexicain, noir, whatever, qui n'a pas abandonné malgré les périls et ils ont quelque chose pour la personne. Et donc, il y a quelqu'un qui m'envoie le email la veille avant
quand on ferme les applications, elle me dit, ah ouais, tu as appliqué? Je dis, non, j'ai pas vu. Elle me dit, vas-y, c'est pour toi. Et j'applique en 3 semaines. J'applique et souscris. Yeah, je souscris. Donc, tu fais tout un truc, c'est appel à candidature, mm-hmm. d'accord? Donc, je fais tout ça. Et puis, on m'envoie en 3 semaines un email qui me dit que tu as été sélectionné parmi 12, les 12 meilleurs. C'est-à-dire que, je crois que j'en étais une centaine. Mm-hmm. Je suis parmi les 12 meilleurs. Donc, je me dis, non, je prends un bon souffle, je crois pas. OK. La veille de mon grand mariage que je partais faire, j'étais à la cuisine toute la nuit en train de travailler. Je reçois un email. Non, d'abord ça, je fais une interview. 2 semaines plus tard. Quand tu parles de grand mariage, c'est un service traiteur. Un service traiteur, oui. Donc, je fais l'interview. On me demande de faire une interview pour ça. Genre, il y a un panel. On me pose des questions par rapport au business. On me demande des chiffres et tout. J'explique. On me demande, tu demandes combien? Je demande 50 000 $. La veille du mariage que j'avais, c'était dans une autre ville à 3 heures de Madison. Moi, j'ai toute mon équipe. On va aller. Mais il faut travailler. On est en train de travailler de, ce jour, on a travaillé de 22 heures. À 8 heures du matin, Diane qui est en Arizona est venue m'aider. Je reçois un email vers 2 heures du matin. Félicitations à Awa, les 50 000 $. Hey! Il y a dit quoi? Il y a ce que tu t'as dit, mais pourquoi j'ai pas demandé 100 000? Il y a dit! Il y a dit, il était là, je me suis dit non, 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 non. Donc d'abord, c'est merci Dieu. Merci Dieu, merci Dieu, merci Dieu. Et il y a mon ami qui me dit, Awa, tu as travaillé. Ces gens ont vu ton travail. Je n'ai pas parlé de mon fils, je n'ai pas parlé de ma vie, je n'ai pas parlé de mes souffrances. J'ai parlé de mon plan, ce que je veux accomplir. Il y avait un panel de combien de personnes, il y avait combien de... Ils ont retenu que 5. Je suis parmi les 5 privilégiés, parce que c'est ce que je dis. Personne ne m'avait déjà tendu quelque chose comme ça, de cette magnitude-là. Des gens inconnus qui croient en moi et en ma vision. Au moins, les autres, ce sont des parents qui te justement, qui te et c'est différent parce mais qu'ils là, me connaissent. Ça, c'est des inconnus qui ne me connaissent pas. C'est pas la banque, c'est pas le crédit, c'est des gens qui disent, voilà, 50 000 $. Fais ce que tu dis tu veux faire pour un commencement. Parce que tu as déjà trop fait. C'est un prêt ou un don? C'est pas un prêt, ça s'appelle grant. Grant, c'est un don. Ils vont peut-être te demander où tu en es, mm-hmm. qu'est-ce qu'il y a. Il y a un suivi, il y a un coaching aussi. J'ai une conduite de 3 heures avec tout ce matos, avec les voitures, des gens qui viennent de... J'ai une équipe de je sais pas combien de 6 personnes. Il faut rester professionnel. Concentré. Mais voilà, donc j'enlève ça de ma tête immédiatement. Je n'ai rien reçu dans ma tête. Je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Va travailler. Et ils me font confiance pour 100 personnes. Je fais leur mariage pour eux à 8 000 $. C'est pas grand chose, hein, parce que les plus grands hôtels vont faire ça à 20 000, 30 000. Mm-hmm. Mais moi, Awa, j'essaie d'être juste et puis de donner le meilleur. J'ai donné le meilleur de moi-même et ces gens-là ont adoré. J'ai fait une fusion pour eux. Mm-hmm. Les gens ont dit qu'ils n'avaient jamais mangé plus bien comme ça à un mariage. Et ils t'ont envoyé d'autres personnes. Yes. Elle m'a recommandé à l'État de Wisconsin, là où elle travaille. Mm-hmm. Et j'ai commencé à avoir mes gigs à eux. Avec l'État maintenant. Avec l'État. Et puis avec l'université de Wisconsin, ah, l'université, temps, j'ai eu un gig avant de venir ici. Maintenant, j'ai mes gigs. C'est-à-dire que je suis maintenant en tant que leur vendeur officiel. D'accord. Un peu. C'est-à-dire que de 10 dollars à 12 dollars, j'arrive à faire des factures de 3 euros derrière maintenant. C'est-à-dire que avec le temps, c'est vrai que tout rentre dans l'équipement, le travail et tout. Je n'ai pas dit que je suis millionnaire, mm-hmm. mais je veux dire que... Tu réussis à faire ton travail correctement. Et on ne commande pas. Mm-hmm. Et entre-temps, ton fils marche mon là-bas. Mon fils marche, mon fils a sa green card. Donc, je le balance à mes gens pour venir voir ses grands-parents après 8 ans. Et tout le monde voit l'effet. Mon père, il vient plus souvent, donc il voyait déjà, il savait. Il voyait l'évolution. Ma maman n'avait pas vu en réalité, elle voyait les vidéos, mais Baba est là maintenant. Il marche. Il marche. Il parle pas encore. Il parle pas, il a un appareil avec quoi, il arrive à communiquer avec les gens. Et puis là, c'est signe. Avec ses signes, t'attends pas. Tu passes 2 jours avec Baba, c'est fini. Tu comprends son jargon. Et voilà, tout doucement. Waouh. Tout doucement, c'est la définition de tout doucement, l'oiseau fait son nid. Donc, avec ton histoire, on comprend 3 choses. Yeah. Faut persévérer, mm-hmm. faut rester focus sur son objectif. Correct. Faut toujours faire confiance aux gens. Parce qu'avec toi, on a compris que c'est l'homme qui fait l'homme. Exactement. C'est 2 mains qui se lavent. C'est vrai qu'il y a eu des mauvaises expériences, mais aussi des très bonnes expériences humaines. Yes. Et les mauvaises expériences, c'est faut prendre ça à bras ouverts. Hein. Moi, j'ai appris à faire un truc. Toutes les fois que quelque chose de mauvais m'arrive, c'est Alhamdoulilah. C'est Dieu. Il faut dire que tu es très croyante aussi. Vraiment, c'est Dieu. Et ça m'est arrivé avec le temps de renforcer ma croyance. C'est Dieu. Quand tu es face au mur, là, tu ne peux que renforcer ta croyance. Mets tout dans la main de Dieu. S'il y a cette divinité-là qui est là, je ne dis pas qu'il faut aller passer ton temps à dormir dans les mosquées ou à la...
à comment dire, à l'église. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, tu peux prier, mais tes actions vont avec la prière. Lève-toi. Quand je me retrouve à la cuisine à 2h du matin avec mon bébé qui a dormi à peine 2 heures de temps, parce que j'ai personne pour le garder, il faut le prendre partir avec lui à la cuisine. Je pleure, je suis dans la voiture avec lui, on pleure, on va là-bas, lui il est là, il me réinforce, il me tape, ça va aller. Je suis obligée d'aller acheter un McDo pour le petit déjeuner parce que j'ai pas le temps de lui faire le petit déjeuner puisque j'ai horreur de ce genre de trucs là. Mais je suis obligée de faire ça pour mon fils et c'est pour un temps. Et puis progressivement, moi aujourd'hui, ah ouais, je m'achète une nouvelle voiture. Mon fils est assis dedans et puis je le regarde, je dis mais je n'achète plus de voiture d'occasion. Tu comprends un peu la différence? Et la satisfaction de dépenser l'argent qu'on a gagné avec ses efforts. C'est ton pain. C'est vraiment ton pain au sens propre. Et puis faire du bien aux autres. Hein. Parce que ma philosophie, tout ce qui sort rentre. Je ne suis pas pingre. Je ne compte pas l'argent comme si c'est la fin du monde. Donner, aider. Commencer à la maison, la famille, les parents. Même s'ils ne sont pas dans le besoin. Faire plaisir aux autres. Des petits cadeaux. Des gens dehors. Quand tu vois la situation de quelqu'un, rend sa journée encore plus belle. Un petit geste, c'est la zakat. Et quand ça revient là, Dieu va te donner ça. C'est-à-dire que même dans les moments les plus difficiles, moi malheureusement, c'est mon petit péché qui est là. Même quand ça ne va pas chez moi, qu'il y a quelqu'un dans le besoin, je te donne. On dit, mais tu es bête. Non, c'est pas un péché, c'est une bénédiction. Tu es bête, tu es naïve. Je ne suis pas naïve. C'est bon. Et puis je te dis... Si tu fais ça pour me faire du mal aussi, tu fais ça, sachant que tu n'as pas besoin. Pendant que je me suis retiré ça dans le besoin, tu vas prendre la peine. Donc, Dieu est toujours là. En tout cas, merci. Merci aussi. Merci d'avoir partagé cette magnifique histoire que je suis sûre va motiver plus d'un. Yeah. On se dit quoi? À bientôt. À bientôt, Inch'Allah. Pour l'ouverture de tes restaurants. Inch'Allah. Parce que tu vas avoir une chaîne dans tous les États-Unis. Inch'Allah. Dans chaque État. Inch'Allah. Oh. Il y aura. Ça, ne va pas compter ça, mais ok. Tu vois, tout bêtement, j'ai mis les délices de Awa parce que c'est le premier. C'était pas quelque chose de pensé. D'accord. Mais sincèrement, je veux changer pour mettre à Kouaba. Mais ouais. Les délices de Awa, les gens se sont habitués. Okay. Et on peut toujours garder les délices de Awa parce que ça change. Les gens vont faire apostrophe Awa, les délices de Awa. Moi, j'ai fait les délices de Awa. Donc, ça, peut-être que c'est bon, on va garder. Voilà. Donc, si vous êtes du côté des États-Unis, que vous avez besoin d'un service traiteur pour tout ce qui est manifestation, mariage, événement, les délices de Awa. On va mettre le lien de la page pour toutes vos commandes avec les différents numéros. Yeah. Voilà. Okay. Au revoir. Merci.